Merci beaucoup, Père. Profitez de l'opportunité ça pour me présenter ce baptême à tout journaliste qui est là, qui a perdu un collègue dans l'événement que nous avons traité là. Sans battre dans trop de détails pour ne pas nuire au déroulement de l'enquête là, mais nous allons dire exactement la position de la police là sous action criminelle. Ça. Mais m'a profité pour me dire, depuis quelques semaines, la police a lui-même en tant qu'institution, ce soit à Katmandi, nous avons perdu deux inspecteurs divisionnaires et trois policiers jusqu'à présent. Nous avons cherché pour eux. C'est dans le contexte ça, que nous apprenons dans l'après-midi du 29 que le porte-parole du syndicat SPNH 17, ex-policier, il a été assassiné dans le 32. Nous déplorons à criminel ça, assassinat ça. Parce que la police, rôle nous, c'est mener enquête, chercher les gens qui concernés et remettre la justice. Mais dans le cas ça spécifiquement, pendant que la police a mené enquête, a vérifié sa passé, syndicaliste là, dans la matinée du 30 juin, de minuit à 1 h, des bandits, assassiné lâchement de simples citoyens qui t'a vaqué à occupation dans la zone de Kayo. Premier élément qu'elle a dit, c'est les alliés de Guillaume Geoffroy qui concoctaient tuerie ça, fusillade ça. Et éléments qui commettent comme ça, il y a certains ados qui étaient identifiés, mais ils paraissent dans la zone, dans la rue des Salines, côté que tu es un bar, côté que tu es à peine activité dans la nuit, et indifféremment, monsieur, balayer tout le monde qui t'a passé, tout le monde, jeune garçon qui t'a joué domino dans le monde. Ils sont sortis sous les matins de toi, ils sont rentrés dans les matins d'eux, ils sont rentrés dans où ils sont allés spécifiquement côté alliés qui ont été assassinés, ils ont balayé les gens, ils ont progressé dans les matins d'eux, viré dans où ils sont Acacia, c'est là, bab ou bab, ils ont rencontré avec journalistes là et collègues. Ils ont assassiné eux. Ils m'ont jamais gardé. J'en crois rien. Apparemment, ils ont identifié assassin. Et ils ont exécuté au final. Ça passe là. C'est 509. Fantôme 509 qui fait. Je vais rappeler nous rapidement qui est le fantôme 509. Dans l'époque, pays loc. Monsieur Sayo, armé, en uniforme, a pris l'habitude de terroriser la population. Un songer qui s'est passé dans le ministère de la Finance, dans le ministère de la Justice, FAES, dans toute la rue pour presse, nous, même en tant que journaliste. Paisible citoyen depuis 509 dans la rue, tout le monde peut.
Moi, venu en tant que directeur général, moi, dit, avec policier, ancien policier, bandit, en uniforme, à terroriser la population pour nous camper. Effectivement, comme M. Poulkapel. En nous songeant, ça a passé 5 février 2021. Côté même élément, ça a assassiné le policier SWAT, Patrick Alouzard. En nous songeant, ça a passé le 22 mars. Pendant le policier, moi, même en tant que commandement, m'a essayé de remonter le moral policier après 12 mars. En dit, ils ont frappé à nouveau. Et ils ont assassiné lâchement le policier Pierre-Richard de Lutbeau. Ces éléments de 509 ne sont pas à leur coup d'essai. La police a suivi. Et c'est un ladder qu'on prend déjà. Mais le crime qui est causé, qui est perpétré dans la nuit du 29 au 30, moi-même, en tant que directeur général, pas de chambre, penser que les citoyens haïtiens ont des capacités pour exécuter de paisibles citoyens avec une telle cruauté. 509, nous vivons sous nous déjà, nous avons dormi, bon assassinat fait, au lieu de quitter la justice fait travail. Nous allons être nous justice. Même si, nous, la police, là, pays, communauté internationale, pas prendre ça dans mes nous, moi-même en tant que commandant chef, avec toutes les dernières ressources que j'ai eues, tout le temps que j'ai eues, toute information que j'ai collectée, m'a brûlé sur nous. Moi, j'ai pour devoir, moi, j'ai pour devoir, pour me stopper ce bain de sang. Nous commençons déjà. Quel que soit côté dans le cachet, sur la planète là, dans le petit espace que nous gagnons, en tant que pays, comme citoyen, nous allons faire travail là pour nous faire une réponse. Et nous disons, il y a des gens qui disent, pour qu'ils savent rapidement, la police vient d'identifier l'assassin. Parce que les assassins ont toujours été connus. La police a suivi. La police a continué à suivre. Pour que, en dehors de toute activité qu'a faite pour semer le deuil et le trouble sur le territoire-là, pour la police avec moyen que le gain, accompagnement, gouvernement à Bali, continue à Bali, appui population, pour nous dire ensemble, en tant que société, ce n'est pas ça que choisit. En tant que société, ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons un pays qui est stable. Nous voulons un pays que chaque citoyen est vaqué à occupation. Le rôle de la police, c'est pour les servir, même dans les conditions les plus difficiles. Policier, c'est le dernier monde qui peut camper. Policier, comme premier protecteur du citoyen, il se faisait camper. Et en tant que commandant-chef, tout autant que bien grâce à ce dôme, par les dormi, n'a pas collecté des informations pour que nous baillons famille des paisibles citoyens qui tombent. Justice, traquez-moi ça, remettez-vous à la justice. Merci beaucoup.